أين تجلى فأهل وسهل لنا خير شهر به الخير أولى بنور السنا يدنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين Bismillah Samakon, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les sablés à la confiture et nous sommes dans la cuisine de Nadia. Salam alaikum. Donc à la barakat, il a déjà commencé, mashallah, déjà à travailler ses ingrédients. Donc comme d'habitude, vous avez tout dans la vidéo. Elle a commencé par travailler le beurre, le sucre glace, le sucre vanille, et elle a rajouté des œufs, les œufs un à un pour bien mélanger ce beau mélange. Vous pouvez le faire au robot, je pense, il n'y a pas de souci pour ceux qui n'aiment pas travailler avec les mains. Donc voilà, moi je dis que quand on a ses mains, pourquoi travailler avec le robot? Après, chacun fait ce qu'il veut, donc voilà. Donc ensuite elle a rajouté la farine au fur et à mesure, on ne met pas tout d'un coup parce que comme la farine absorbe beaucoup, alors du coup on a mis au fur et à mesure. Et là la quantité qu'elle a utilisée c'était 730 grammes de farine. Voilà, alors comment continuer à travailler, hein, tout mélanger. Et puis ensuite, voilà, ça c'est le résultat. Vous voyez, on a une belle pâte bien lisse et qui est bien à la main, en fait, et très lisse dans la main, qui fond sous la main, en fait. Donc elle a divisé en deux pour pouvoir les étaler. Alors pour pouvoir les étaler, elle a utilisé deux feuilles. C'est des sachets de congélation, je pense, qu'elle a utilisé un au bas et un au-dessus, et puis elle a mis sa pâte au milieu et elle a étalé avec le rouleau. Donc voilà. Et bien sûr, utilisez les moules que vous voulez. Donc là, elle a utilisé le moule, le décor en fait que vous voyez là devant. C'est, vous savez, c'est le coupe-oignon. Elle a pris l'intérieur. Le truc en plastique, la pièce en plastique, et puis elle appuie juste vite fait pour qu'il y ait les dessins en fait. Et après, elle termine de couper ses sablés qu'ils ont double coupe. Et parce que bon, y a un côté qui est plein et un côté qui est rond, donc ça vous donne ces beaux dessins. Là. Franchement, c'est magnifique. Donc, et en plus, non seulement ils sont magnifiques, et ils sont très bons. Donc, je confirme, j'ai goûté. Tabarakallah alik, elle est la Nadia. Bsahtek. Wallah yatek saha ya khoyti. Et tislim idik, idik, idik. Et donc, une fois que vous avez cuit les sablés, c'est-à-dire, il ne faut pas trop les cuire, bien sûr. Et il faut. On les colle avec la confiture et puis ça vous donne ce beau résultat. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwad Zimbladi.